Et bonjour à toutes et à tous, c'est MV44. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première partie d'un nouveau Let's Play Directly. Donc en fait, ce jeu aurait dû sortir le 2 janvier, hein, c'était un oublié du Papa Noël. Mais nous avec Sacha on n'était pas contents, alors on a été le chercher au pôle Nord, voilà. Oui, on a été jusqu'au pôle Nord le chercher, enfin plus précisément à Micromania, c'est sensiblement pareil. Oui voilà, Micromania, pôle Nord, ça se situe sur le même axe. Alors juste, oui, quand tu commences à jouer à un nouveau jeu, il ne faut jamais parler dans le jingle. C'est une tradition. C'est une tradition, il ne faut pas parler. De nos vidéos sur YouTube. Alors, nous taisons. Attention, je retourne le truc parce que vu que c'est le Gamepad. On se tait deux secondes. Vu que c'est le Gamepod. Hop, on est parti. C'est le. Le thème. Alors attendez, c'est pas le thème principal. Enfin non, c'est. Coucou Toad. Coucou. Attends, je vais baisser un peu le son de la télé parce que. Bon, moi j'ai dans mon. Oui, ça me parle. Mais moi j'ai envie d'entendre le son du jeu quand même. Hein. Non, mais oui, attends. Là t'entends. Oui, c'est bon. Là t'entends bien. Putain. Bon, attention à la musique. Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'écran titre? Ah, c'est une phase de chute. Ok, ça commence bien, ça commence. Regarde, bien. Comme la Wii U, elle est puissante, on peut voir l'herbe qui bouge. Tout à fait, on peut déjà crever ou pas? Non. Bah non, c'est casual. Oui, je voulais voir. Donc bon, alors ce jeu, on l'attendait tellement quand même. Oui, bon, n'exagérons rien. Ouais, mais enfin, c'est quand même cool. Attendez, je regarde un peu les commandes. Il peut pas sauter, hein. On peut zoomer. Il peut pas sauter. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, non, mais je sais ça. En fait, ça reprend le... Coucou. Hein? Regarde la lampe! Ah ouais, tu peux laisse-la éteindre pour l'instant. Regarde la Toadette! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Bon, allez, c'est bon, arrête de regarde la Toadette! Oui, c'est ce que je voyais. Mais ça, c'est vrai que c'est un trop, hein. C'est vous dire, c'est bon, attention. Est-ce qu'elle va se faire bouffer par un oiseau? Et... Attention, non, grosse... elle va se faire kidnapper. Gros spoil! Ah, non. Oui, parce que ça se fait bouffer par un oiseau. Oui, ça commence très mal. Ah, bah non, tout va bien. Tout va bien pour Toadette. Ah non, attention. Ah oui, c'est là. Alors, en fait, il y a que un mode solo dans le jeu, donc du coup, on va alterner un niveau sur deux. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Non, cet oiseau n'est pas le boss mais final. Mais quel con! Cet oiseau n'est pas le boss final. Au revoir, Toadette. Ceci n'est pas le boss final. Attention. Et t'as vu, il a une plume de Mario World sur la gueule. Non? Du tout, c'est pas grave. Inspiré de Mario Galaxy. Oui, alors à noter que ce jeu s'inspire dans le design, dans les phases du gameplay de. Ah putain, non, en fait, je vous explique un truc. Oh putain, un livre. En fait, j'ai fait un nouveau système. C'est que, en fait, moi dans mon casque, j'entends le truc, mais vu que Sacha est pauvre et qu'il n'a pas de casque. Du coup, il entend beaucoup moins bien le son du jeu par rapport à moi. Oui. Voilà, bon, c'est quoi. Pourquoi? Alors, on commence avec deux vies, dis donc, jeu de casual, pas du tout. Alors, à noter que j'ai déjà fait le premier niveau. Attends, fais gauche. Fais gauche. Il était là, c'est retour. Ça. Non. Moi, je veux voir l'écran titre. Fais retour. C'est moche. Fais retour. C'est ça l'écran titre? Non, fais retour. Bonus. Quoi? Non, n'y va pas dans bonus pour l'instant. Pourquoi? Non, mais moi, putain! Moi, je veux voir ce qu'il y a dans bonus. Le saviez-vous? Non, c'est moi qui dis. Comme vous possédez des données de sauvegarde de Super Mario 3D World. Vous pouvez désormais explorer le royaume des Libellas avec le Captain Toad. Le royaume des... Ah, ça s'appelait comme ça. Le royaume des Libellas de Super... Ah, c'est ça, les 3D World. Alors, on a intention de vous faire le jeu à 100%. Alors... Ça, c'est le premier niveau, un niveau de 3D World. Je crois que c'est le premier. On fait quoi? On fait... Commencez. Au pire, on peut alterner, on peut faire un niveau... Non. Bon. Alors, toutes les... Attends, non. Fais gauche. Toutes les étoiles mènent à Toadette. Ok, normalement c'est toutes les étoiles mènent à. Alors, première quête au col Cueillette. Donc ça, c'est moi qui vais faire le niveau. Ok, vas-y Sacha. Alors, Lucas l'a déjà fait ce niveau à la FNAC. Ouais, il était disponible à la FNUC et du coup je l'avais fait. Donc voilà. Alors, comme ça, les niveaux sont inspirés bien évidemment de Super Mario 3D World. Oui, bah ça c'est ce que j'ai dit niveau design. Mais cependant, on a des nouvelles caractéristiques. Alors là, on peut voir. Il est lourd. Sacha arrive. Bah il est comme dans toi de. Normal. Et là, tu peux pas tomber, non, normalement. Bah oui, non. Alors attends. Bon, alors si je comprends bien, oui, t'as trois. Ah, oui, il y a trois espèces. C'est pas des étoiles vertes. Ah, bah non, les étoiles vertes, je trouve que c'est des trucs de fin. Hein. Bah non, elles sont en or, regarde. Regarde dans l'espèce de cabane. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Si, bah tu verras, elle est jaune, l'étoile. Enfin, elle est en or. Ah, oui, en effet, sur le boîtier du jeu, c'est. Oui, donc c'est inspiré de 3D World, comme on voulait. Alors là, je crois qu'il faut toucher.
Ah non, 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 faut appuyer sur A. C'est là, un bouton A. Allez, mais... voilà. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'ils auraient pu faire en sorte que, par exemple, Sacha joue avec le combo Wiimote Nunchink et moi avec le gamepad, je puisse l'aider. Mais arrête de faire le con, faut que tu le balances sur le pauvre. Ouais. Oh mais merde, attends, et t'en reste qu'un à mon avis là. Ouais. Mais... Attends, moi la FNUC je l'avais fini à 100% le truc. Yes, c'est mon jeu. Oui. Ah elle est cool, mais la bon, petite musique là. C'est le seul niveau que je connais. Attends, ah, je vais afficher, c'est pas trop fou. Mais moi j'entends rien. Oh t'entends, arrête de faire. J'entends rien. Bah tant pis, t'avais qu'à. Un macasse. Un mascasse. Un macasse. Attends, c'est quoi l'écran de pause? J'aime bien des. Oh, c'est. Et c'est quoi la caméra? Non, 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 fais annuler, on va pas tout inverser là. Alors, fais gaffe là, ma casse. Et je crois que tu peux, si tu lui balances des radis à la gueule, il descend. Non, mais j'attends qu'il se casse. C'est bon quand tu gueules. Attends, deux secondes. Ah oui. Il y en est prêt, oui. Il a un micro dans le. Boum, dans ta gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Si, je crois que tu vas avoir le. Oh merde, je crois que le radis fallait s'en servir pour le truc. Non, c'est pas un radis, c'est un. Non, idiot. Va là, t'as débloqué un truc. C'était quoi la musique qui mettait en fond? Ah merde. Oh le champi, un champi. Ça je savais pas par contre. Oh attends. Regarde le. On dirait le boss final. Clic, c'est l'oiseau. On peut pas zoomer. Si, c'est A pour zoomer. Ah oui, c'est l'oiseau. Ah oui. En plus c'est pas A, c'est X, oui, c'est... excusez-moi. Ouais, c'est le boss final. Le boss final, merci Sacha. Nous en détruisons. Tu l'as vu le boss final? Non, 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 mais j'en détruis. C'est du découverte, hein, bien entendu. Oui. Mais on l'avait pas. Je suis sur le. Bah, pas pour Lucas, parce qu'il a fait le premier niveau à la fenêtre. Oh c'est bon, hein. Va pas m'asseler, hein. Toi, tu t'es spoil. Sacha, bien évidemment, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est quoi ça? C'est juste pour gagner du fric. Je sais pas, mais je l'ai fait tous, on sait jamais. Oh, une up. C'est bien, ça nous fait 3 vies, hein. Bon, de toute façon, les vies, je crois pas que c'est très utile. Le compteur de pièces, il retombe pas à zéro. Il continue. Ah oui, tout à fait, oui. Bah, je crois que c'était dans 3D World aussi. Non, il s'arrêtait, il recommençait. Ah, alors, oui. Par contre, je sais pas c'est ce qu'il faut faire. S'il a un levier là-bas. Attends, va d'abord chercher les pièces, peut-être, parce qu'après, peut-être, tu peux plus. Oui, ça doit être ça. Après, tu dois plus pouvoir parce que le truc, il va se quelle monter. Quelle pièce? Là, regarde. Non, monte. Monte sur l'espèce de Excalibur. Mais j'en ai marre de la caméra. Bouche la caméra. Ah mais non, mais tu la bouches avec le stick. Non mais en fait y'a rien mon gars. Mais si, il a des pièces. Et maintenant je vais là, c'est ça. De toute façon le but de ce jeu c'est que tu fais bouger bien la caméra. Voilà et là. Mais regarde... putain, évidemment il y a un truc pour me faire chier. On va passer toute la vidéo sur le premier niveau. Donc écoutez, ça a l'esprit un peu détente, donc bon, on espère que ça vous plaira. C'est... Je sens qu'il y a un rubis là dedans. Non. Ah non, un champi. Ah bon bah, des fois que tu te seras fait toucher par le mascasse. Ah ouais. Bon, dézoom là parce que c'est immonde. Ah, c'est lui qui te la file, d'accord. Ah, je crois que va à côté, tu peux t'endormir, je crois. Oui. J'avais vu ça à la FNUC. D'accord, bon, allez, vite. Attends, il y a une carte. Non, mais c'est pas ça que je veux voir. Non, y'a rien d'intéressant. J'ai cru que pas normal. C'était secret. La prochaine carte de. Arrête, dézoom, mec, c'est immonde. Non, mais j'aime bien. Moi, j'aime pas. La. Attendez, je regarde à combien de minutes on est de vidéo. 8 minutes, ça va. Ça va. Je sais pas. Alors une petite étoile en or. Ah bah, champignon d'or, la vie. Ah bah oui. Ah oui, champignon d'or obtenu. Ok, oui. Donc on a fini le niveau à 100%, je pense. Yeah. Ok, bah écoute, passe-moi le Wii U GamePod. On va regarder. Je sais pas, on va faire combien de niveaux. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, à chaque fois, on fasse. On va dire, on va en faire, vu au rythme qu'on va, on va dire environ 3 niveaux. Et pour finir, à chaque fois, on fait peut-être un niveau bonus, un truc comme ça. Bon, en tout cas, le tourni dépassera. Ouais. Alors, par contre, c'est vraiment en live, en guillemets, c'est-à-dire on découvre le jeu. Donc, le truc, c'est que si jamais. Oh, pas mal la musique. Moi, j'entends rien. Mais ça faisait pas ça avant avec les autres vidéos. T'entends vraiment rien? Mais non, j'entends rien. Attends, je retire ça. C'est vrai que t'entends pas grand chose, hein. Attends, je sais pas, ça faisait pas ça. Ah! Attends, non, c'est pas grave, je porte le son comme ça. Bon, je peux pas voir, donc j'espère que ça fera pas une résonance. Ah, par contre, c'est chiant, je veux pas que. J'aimerais que la caméra elle bouge pas avec le déplacement horizontal. Non, non, on peut pas choisir avec ça, c'est chiant. Ah, ça me paraît si bizarre. Oui, d'ailleurs, là, les espèces de trucs comme ça, là, au pire, ça s'appelle des passera-points. Oui, tout à fait. Pas des passera pas, on disait passera pas, c'est des passera. Ah, je peux bloquer les ennemis. Peut-être que je peux faire avec la Wiimote, non?
Non, mais c'est ça, je dis, c'est dommage. Ils auraient pu, par exemple, moi, le jour 1, jouer avec le Wii U. Ah merde, je sais pas, à ton avis, je peux les tuer? Ah oui. Ah, c'est les blocs. Mais dégage. Ah, je crois savoir à quoi ils servaient. Oui, tout à fait, mais je m'en suis rendu compte trop tard. Donc bon, j'espère que. Attends, attends, il y a un. Oui, bah t'inquiète pas, je vais aller chercher. Un coloco. C'est un coloco. C'est pour ça le premier, tout va bien. Donc oui, je disais, c'est en live, donc c'est-à-dire si jamais on oublie un truc, faudra qu'on retourne le chercher. Ouais, oui, oui. En direct. Bah, enfin, pas les... On va appeler ça des succès. On va appeler ça des succès. Quel succès? Bah, les... Ah, oui, les trucs... Non, je te parle des rubis aussi. Ah, oui. Bah, oui, évidemment. Mais ça, je suis content. Je crois qu'il faut le faire. Oh, bon, un petit champi, ça, ça va. Je sens qu'il va... Enfin, tu vois, il va y avoir des niveaux super durs. Il faudra, par exemple... Eh, t'as vu, Lulu, ça va vous faire... C'est un petit jeu sympa avant Noël, tu vois. Toi. Bah, vas-y. Je sais pas si je chante secret, là. Non. Ah, bah, non. Bon. Ah, oui, il y en avait un. Il y avait un secret. Ah oui. Ouais, tu peux continuer à droite. Ah oui, 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 en effet, oui, faut bien jouer avec la caméra. J'ai des champignons. On aurait pu tomber. Félix. Ah ouais, il y a des champignons de Super Mario Bros. Ah. Il y a plein de petits détails comme ça. Ouais, c'est... Jeux. Bon, voilà. Alors attention, on va aller comme ceci, on va monter là-haut. Moi j'aime bien quand c'est zoomé parce que tu vois mieux. Les pièces. C'est-à-dire là, comment on peut, ça doit être par derrière. Ah. Ah oui, 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 oui. Oui, mais comment je fais pour aller là en fait? C'est juste là, la question. Là, ah, voilà. Là. Vite, vite, prends les pièces, vite. Vas-y, tourne la caméra encore. Il n'y avait rien par là? Il y a peut-être un passage, non? Non, 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 il n'y a rien. La Tony, il est en train de gueuler. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, parce que si jamais on se loupe, on retombe tout en bas, on va éviter ça. Tac, allez, vite, toi. Il ne s'est pas loupé. Loupé, loupé. Tu sais, c'est dans Voyage au centre de la Terre. Il ne s'était pas trompé. Là, vite. Quoique j'aurais peut-être dû évaluer le périmètre, non, tout va bien. Et il nous en manque une encore. Ah non, le trait est là-bas. Mais alors attends, parce qu'il y a ça, peut-être un secret. Ah, là, là, vas-y, 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 vas-y. Ah, tu l'as presque eu. C'est quoi? Il y avait un passage. Attends, 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 attends. Pas maintenant. Où tu vois un passage? Pas maintenant, pas maintenant. Là, vas-y. Ah non, en fait, non. Là, vas-y. Mais non, non, il était non, là. Qu'est-ce que tu fais faire? Attends, par contre, là, c'est pas dangereux. Oui, non, ça va. Ça va, ça en fait, bon, je te laisse faire parce que moi je sais pas. Bah, c'est quand t'es. Ah, mais la lampe, je sais pas à quoi ça sert. Là, 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 il y a deux tiges. Il y a deux tiges. Je sais pas pourquoi il peut éteindre. Bon, attendez. C'est bizarre le bruit. Putain, mais je vois rien. J'arrête pas du tout. Yes. On les a. Bon, j'espère que le défi c'était pas un truc du style te fais pas toucher. Ou ne on ramasse ou déterre toutes les petites tiges. Parce qu'il nous en manque une. Ah non, pour le doute, je vais aller la déterrer. Oh, va te faire. Toi, les... Mais non, mais oh, quel putain. Terminer le niveau en grand. Ah, si c'est ça, je suis dégoûté. Non, c'est peut-être à chaque fois trouver un champignon d'or. Bah oui, mais je crois qu'ils avaient dit que c'est très... Terminer sans détruire le pont. What? Ah bah oui, faut pas aller dessus. Bah oui, parce que c'est vrai, on en a pas besoin. Hein. Bah vas-y, on le refait. À la base, faut pas aller dessus. Non. Bah vas-y, on le refait vite fait, il était pas très long. Ouais. Allez, écoutez, on le refait. C'est pas censé être. Ah. De quoi? Bah sinon tu fais. Non, au pire on fait un niveau chacun. C'est-à-dire vraiment une personne le fait lui-même et comme ça je te laisse le niveau d'après. Bon, je m'en fous, je fais de la merde. Mais non, ah putain, j'ai eu peur. On va essayer de le speeder, écoutez. Attends, j'ai pas envie qu'on meure dès le deuxième niveau. Ah. Non, on va quand même. Là, là dans le coin, il y a un champi. Oh 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 oh. Oh. Magnifique. Ah, il faut qu'il les tire de 3 fois, c'est ça? Merci! Tac. On se part par là. Par contre, ça c'est chiant, vous voyez, ils auraient pu mettre la mission. Oh, oui, quoi que. Je suis sûr qu'on aurait quand même cassé le pont en ayant cherché le. What? Mais là, je crois que t'étais obligé de casser le pont, non? Non, non. Si non, tu voulais finir le niveau à 100%. Bah, je sais pas si quand tu vas. Non, 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 non. Mais je sais pas si quand tu vas chercher le rubis, ça compte. Bon, je le speed, hein. Tac. Bon, je me rapproche même pas du pont, j'ai pas envie de... Parce que con comme je suis... C'est moi, il fait plus nuit que tout à l'heure dans le niveau. Ou c'est moi qui... Non, non, je pense que c'est exactement pareil. D'accord. Allez, hop. Oh, le petit détour. Wow, oh, et sans se faire tout... Ah si, je me suis fait toucher en plus. La la la, la 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 la
là. Je transmets le gamepad à Sacha. Salut, c'est moi. Bonjour Sacha. Ouais. Et là on a le petit truc. Bah c'est parfait, écoutez pour l'instant. Donc on fait niveau 3D World ou on continue? Alors attendez, ça dépend combien de minutes on est. 15 minutes c'est bon, on fait celui ici et après on ira faire du 3D World. On tactique, en... bloc tactique. Ok, c'est parti. Okay. En tout cas, le fait tactique. Que tu dois débloquer. Mais pourquoi tu retires ton casque? C'était juste pour voir. Voilà. Alors, ça, c'est pas de musique de 3D World. Hein. Attends. Bah, en fait, depuis le début, c'est pas de musique de 3D World. Hein, oui, en fait, hein. Au début, on pensait que sachait que ça allait être un DLC en fait. À l'E3 quand il l'avait présenté, mais en fait, bah, pas y'a du tout. Pas de turbo en fait. Si, si. Le Y. Ah oui, il va sensiblement plus vite. Alors, attends. Bah, sensiblement, il va un peu plus vite quand même. Merde. Le fond il est moche là par contre, hein, je dois avouer, c'est pas très très... Là au début on était sur un truc assez esthétique, mais... Ah par contre là... Non, va sur la partie bleue, tu peux... Tourne la caméra, mets pas la caméra comme ça parce que là on voit rien. Voilà, regarde, tu peux aller sur... Genre, regarde, il y a une porte. T'avais un radis là-bas, hein. Non mais il y a une porte avec une serrure. Je sais, mais je pense que la serrure elle est peut-être dans le radis. Attends. Regarde, remonte là-haut. Attends, juste... Ouais, c'est bon, j'y vais. Ah. Voilà, tourne, va, voilà, dans cette partie-là, regarde un radis. Tire plein de fois. Enfin, radis, je dis radis, mais c'est peut-être pas... C'est quoi, c'est quoi? C'est une serrure. Ah oui, tout à fait, bah oui. Alors là, il y a... je pense qu'il y a plus trop de suspense. Oh putain, ça me fait rire. Alors là, par contre, je dois avouer que ça doit bien être caché, n'empêche. Hein. C'est bizarre comment tu l'as foutu dedans. Vas-y. Ah bah ok. Ah d'accord, c'était une... Bah c'est le dernier. Ah oui, merde. Ah non, reste en bas, reste en bas. Ouais, ouais, t'as compris ce que je veux faire? Ouais. Montre-le, le truc bleu. Ah merde! A mon avis, je suis certain. Ah voilà, là, j'en ai vu un. Ouais. J'en ai vu un, remonte. Tu peux aller le chercher. Non. Non, d'abord, tu le baisses. Ah oui, là, je vais sur le truc là. Là, je suis en bon. Voilà. Et va sur le truc rose. Descends le truc bleu. Va sur le truc bleu. Et là, tourne la caméra. Non, redescends-le et tourne la caméra. À mon avis, il doit avoir un truc. Oh. Et alors, comment? Ah oui, il est là, je le vois en dessous. Ouais, il est juste. Mais alors comment? Ah, mais là. Et là des pièces peut-être. Et descends-le le truc rose, je pense. Attends. Là. Là, je descends le truc rose, lui. Non, là, tourne la caméra, tourne la caméra. Et tu peux pas le glisser vers là? Ah si, voilà. Ah, la nique. Ah. Et là, je crois que je l'ai. J'aime bien. J'aime bien le principe de jeu. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression bien qu'il faut ramasser toutes les pièces peut-être. Donc va récupérer les trois, les... Bon, au pire. Ah oui, d'accord, il faut la que caméra. Tu mettes bien la caméra, Sacha, sinon on n'y arrivera jamais. Bon, attends, on va refaire, mais avec toutes les pièces cette fois-ci. Ok. Le gros fail de notre ami Sacha. Ah putain, c'est rageant, surtout à la fin. En plus, on avait pas mal géré. Donc, premier fail niveau 3, par Sacha. Oui, par moi. Allez. Mais putain, prends cette merde. Faut le... C'est pas grave, reviens. La clé qui repousse. Excusez-moi, ça me fait rire. C'est complètement con. Ah, ils sont sauvegardés, les rubis. Oh, mais c'est de la merde, j'ai de casse. Par contre, récupère les pièces quand même. Parce qu'en fait, je vois difficilement ce que ça peut être d'autre, en fait. Ouais. Ou peut-être c'est pas faire bouger un bloc pour gagner. Par exemple, ne pas faire bouger le bloc qui se trouve. Ouais, je me demande. Mais putain, j'ai oublié comment on faisait. Ah, ouais. C'est bon, t'as récupéré toutes les pièces de toute façon. Là, vas-y, monte le bleu. Ah, non. Ouais, c'est bon, j'ai fait. Et quand tu souffles, ça fait un bruit de vent dans le truc, je te jure. Ah, oui. Oui, j'entends un truc. Et là, faut que tu rebouges le bleu. Non, là, je peux pas y aller. Non, le rose alors. Ouais, ça va être le rose. Ah, ouais. Nickel. Ta-t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 a
Et maintenant, tu vas refaire descendre le bleu. Le bleu, pas le rose, hein. Attends, j'ai peur de me louper. Voilà, et tu récupères. Fantastique, oui hein. Bon, ça va, ça va. Pour l'instant, c'est assez simple. Y'a voilà. Pas de problème. Y'a si pas de problème. Ok. Ok, vas-y, on se fait un petit niveau bonus. Donc, c'est à moi. Merci. Je regarde juste à combien de minutes on est. 20 minutes. Bon, ça nous laisse juste le bonus. Donc, je pense qu'on va rester dans ce tarif-là, on va dire. Royaume des libellas de Super Mario 3D World. Ça, c'est le premier niveau. Ça veut dire, si t'as pas 3D World, tu peux Colin pas. Colin aux super clochettes. Je me demande s'il s'appelle comme ça le. Si, si, il s'appelle Colin aux super clochettes. Il y a cette petite ils cinématique. Ont fait... Ouais, bah, c'est le même, hein. Tout à fait. Mais ça veut dire si t'as pas 3D World, tu peux pas faire ces niveaux. Oui, tout à fait. Et là, un turbo ou pas? Comment ça fonctionne leur truc? Et non, je crois pas qu'il y ait de turbo. Fais Y quand même. Non, non, y a pas de turbo hein. Dans si, 3D... regarde, fais voir. Si, si, ouais, si, il accélère. D'accord, ok. Il a des petites. Ah ouais, mais ils ont retiré tous les blocs. Si, 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 si ça accélère. Ils ont retiré les blocs. Ah non, ils sont encore on là peut, on peut pas monter. Ouais, ouais, mais on peut pas. Si, ah, si. Peut-être comme ça. Ah, d'accord, ok, dans ce souci. What, le Goomba il a. Ah oui, non, c'est... il est dans le. Je crois qu'il s'est en. Ah. NON! Ouf. Oh! T'es sûr que là. Ce Goomba là, je sais comment on peut le tuer. Attention, je tente des risques, les amis. Je tente des risques. Je prends des risques. Ouh. C'est sûr qu'il y avait rien là? Ah bah non, de toute façon. Bah, on peut pas trop monter, Sacha. Ouais, c'est vrai. Ce serait marrant que le chat. Bah de toute façon c'est le même niveau ouais, hein, c'est ils ont c'est peut-être le même. Foutu les mêmes. Toi, ah ouais bonne... t'imagines ils sont foutus au même endroit. Ouais c'est le même endroit quand même. Si, je pense... Celui-là. Je pense. Ah oui quoique vu que c'est quand même les possesseurs de. Celui-là. Mais pas de panique. Ah non rien. À part le petit bruitage. Bah non mais les. De toute façon c'était où? Normal. Oh j'aime bien comment ils montent. Quoi? Pourquoi non, tu. J'ai regardé sur l'écran de l'ordinateur. Non mais ils montent très très vite, regarde. Il a de la sueur. Il fait. Mais c'est joli derrière. C'est de l'eau. Mais c'est vrai qu'il y a la classe. Je pense qu'on tiens, en a loupé. Est-ce qu'il y a le monde secret qui est apparu? Non, on voit pas. Non, non, j'ai regardé, il n'y a pas la fusée. Ah, désolé pour ce spoil, pour ceux qui ne sont pas rendus à cette étape du jeu. Eh, hey, mais il a pas les encoches de Ruby? Ah ouais? Ah, on a peut-être pas en fait. Oh, là-haut, je suis allé ou pas? Oui, oui, t'es allé. Je suis allé? Comment on fait comme ça? D'accord. Adieu, Goomba. Oh, d'accord. Ah, y en a pas. Moi, j'ai cru qu'ils allaient en bas. Oh, les cons. Ah, c'est dommage, y en ai pas. L'appel au checkpoint. Donc, on va éviter de faire du caca. Ah, je me demande si là-haut. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là-haut du coup? Ah, mon gars, t'imagines, ils ont refoutu le dernier niveau de 3D World. Mais ah, bah, comment tu veux, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. Arrête de faire idiot. Ah, non, mais attends. C'est comment tu veux. Attends, et peut-être que le défi, c'est ramasser toutes les pièces, hein. Donc bon, ramassons-les. J'en ai pas de... Si, t'as oublié de tuer un Goomba. Ah, merde, s'il fallait tuer tous les Goombas. Peut-être qu'il n'y a pas de défi, hein, il y a pas de ah défi. Oui, c'est vrai, elle a pas de rubis. Tu peux monter sur les espèces de cloches d'arbre. Bah non, tu peux pas. Tu peux les faire bouger, par contre. Ah oui, là, tu montes l'échelle et puis tu tombes sur les blocs. Ouais, alors, voyons ce qu'il y a là-haut. Ah, ah ils ont passé par des... Ok. Je me demande à quoi. Non, il doit. Ça doit servir. Alors, à t'aimes rien, bien ce magnifique principe de Toad. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'ils ont envoyé une vidéo un peu comme. Ah, ah oui, l'histoire des Toads. Attendez. Je suis désolé, les amis, parce que je me suis direct relevé et je vais voir. Il avait une animation qui s'est lancée quand il est tombé. Regardez. Oh. Non, va en bas. Salut, mon ami. Va en bas. Ah, ils ont bloqué le passage. Putain. Comment on peut le tuer lui? On peut peut-être pas. Non. On peut pas tous tuer. On peut pas tous attends, tuer. Attends, pète les blocs avec tes doigts. Mais ça vraiment, la lanterne, ça la... je comprends pas. Ah non, t'es obligé d'appuyer plusieurs fois. C'est assez chiant parce qu'en fait, limite, on joue sur le gamepad. Mais enfin, je sais pas, moi, dans les trailers, on voyait que tu sais, avec sa lampe, il tuait les bouts. Ah oui, tout à fait. Oui, mais je sais pas pourquoi. Alors, ça sert à quoi de l'éteindre? C'est ça que je. Peut-être, mais ça serait énorme. Que si t'as de la lumière, ah c'est une étoile verte. What? On verra. J'ai pas vu. Si j'ai vu une étoile verte. Peut-être que si si t'éteins, enfin comment dire, les ennemis peut-être dans des niveaux qui sont noirs, et bah si t'as de la lumière, ils te repèrent peut-être. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, y a pas de drapeau. Ça serait énorme.
Donc c'est une étoile verte. Tu comprends ce que je veux dire? Imagine si t'as ta torche, et bah du coup il te voit à cause de la lampe. Ah, ouais. Champignon d'or obtenu. Ah. Pico d'or au sable. Ah d'accord, l'enfant 35. Champignon d'or obtenu. Bah on l'a pas eu. Tout à fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Où est-ce qu'il peut... Je ne sais pas. Mmh. Moi j'aurais dit à la fin. Tu crois? Ouais. Ou alors il est dans un... Bon écoutez, amis, regardez une fois. Si on voit pas, on va couper, mais... Va à gauche. À gauche. Ah, il y a une échelle. Ah. Et hey, je l'ai vu. Ah oui, d'accord. Attendez, j'espère que... Ouf. Je vous ai dit que j'ai eu peur. Tiens, tu vois, c'est fou, hein. Je m'en doutais qu'il allait être là. Tac. Voilà, et on finit le niveau. Donc écoutez, on espère, les amis, que cette première vidéo sur Toto Last Your Tracker vous aura plu. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment en votre compagnie. Cool. Et écoutez, sur ce, on vous dit à la prochaine tout le monde, c'était MV44, et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.